devant. Albertville, Fox Juliet Delta, Romeo Delta, bonjour, un P92 au parking, on roule au point d'attente. Tu m'entends là, Marc? 25. Ok. Ok, c'est bon pour la radio. C'est bon pour la radio? Albertville, Romeo Delta au point d'attente, on remonte la 23. Faites-on 5000 pieds en se portant en matériel maintenant. Ouais, comme ça, ça doit être mieux là, non? Ouais, c'est mieux là. Ouais. Là, il faut pas grand chose, hein. Ok, sur les cams, c'est bon sur l'audio. On va balancer maintenant le caméscope. Et voilà. Ben, c'est pas l'aéroclub de... Là, c'est l'avion sur lequel on avait fait notre vol dans, dans Beaufortin, là. C'est voilà. L'aéroclub, ouais. Tout à fait. Bon, ben donc l'occasion de redire bonjour, Robin. Donc on a fait connaissance il y a 3 ans, justement ici, là, sur le... Ouais, sur le terrain, ouais. Sur le 152 en question. Pour un vol découverte, enfin un baptême, à l'évoque, le premier. Et ensuite, le vol du Mont Blanc. Et nous voilà en 2019 pour une découverte de l'ULM, donc P92, un TECNAP. Albertville, je suis en Delta, je roule point d'arrêt chute. Albertville, Romeo Delta, on s'aligne en 23, on maintient 30 secondes. Je vais faire mes moteurs. Albertville, mission d'état, je reste au point d'arrêt, je vous laisse manœuvrer et je reprends, je m'aligne après vous. Bon, ça va, il tient le ralenti. Alors, on va mettre un cran de volet pour décoller. 2000 tours, alors, le starter rentré, 2 essences, 2 magnéto. C'est verrouillé de ton côté, c'est verrouillé du mien, on est attaché. Ouais. Bon, c'est rentré dans l'orange là, on est prêt à partir. Albertville, Romeo Delta, on est aligné en 23, on décolle pour la Chartreuse. Et c'est parti mon kiki. Et il est 32, de 10h. La patate et il décolle tout de suite. Fox Alpha Victor, point d'attente 23 en remontée pour alignement et décollage en 23. Waouh! Albertville du Fox Lima Yankee, on est en début d'entrée maintenant. Alors tu le pinces un petit peu si tu veux, tu vois, pour faire de l'air plus ou moins. Tu veux le fermer en fait. Tu veux le fermer? Ouais. Voilà. D'accord. Ah, ok, merci. Alors je rentre les volets, ça le fait piquer pas mal. Fox Alpha Victor, Fox Alpha Victor, alignement décollage 23 Albertville. Alors, pendant le décollage, découverte du tableau de bord. Bon, c'est un tableau de bord simple, hein. Tu vois, tu as l'indicateur de vitesse en kilomètre-heure. Bon, là, c'est des trucs vides. Là, tu as
un altimètre électronique. Oui, ah, qui fonctionne, qui peut transformer aussi en anémomètre éventuellement. Ah, ouais. Là, t'as le compte tour. Donc on est à 5000 tours. Vario. Là, t'as un vario. On monte à... Et la bille. Là, t'as la bille. Là, t'as la radio. Là, t'as un transpondeur que j'ai pas allumé. Et puis là, t'as le chrono. D'accord. Voilà, là, les instruments moteurs. Donc, des moins de charge. Là, c'est la... Température d'eau, enfin température culasse, là c'est température d'huile. Ouais. Là la pression d'huile, pression d'essence et puis les jauges. Alors les jauges très conservatrices hein, parce que là on dirait qu'on a un peu plus de la moitié, mais en réalité on a plus de 60 litres là. On a, pratiquement 4h30, 5 heures d'autonomie. Ah, là. L'Imaïa 40 finalement, 3. Et déjà sur le côté, les bauges. Alors, ce que je te propose, c'est que on prenne le col du Fred, on va longer les bauges comme ça, puis après on va prendre le granier. C'est ça. Et on va longer jusqu'à la pointe sud, puis ensuite on reviendra par l'intérieur de la Chartreuse. D'accord. Et puis ensuite on transitera par Chambéry, puis on reviendra par les bauges de l'autre côté. Nickel. Alors je m'étais dit en venant tout à l'heure, si on arrive par le granier et qu'on descend finalement au sud, dans la descente je vois la partie ouest du massif. Ouais. Donc tous les endroits qu'on a baladés ces derniers temps. Et à la rigueur en revenant, on va faire un rond en bas. Et en revenant au nord, à ce moment-là, je me focalise par le centre, toujours je me focalise sur la partie droite. Parce que finalement l'extérieur du massif, on n'y a pas été. Et a priori on n'ira pas. Donc c'est pas forcément Albert parlant. Ça dépend si tu veux voir l'extérieur du massif là. Non justement, c'est ce que je pensais faire au début. Ah bah écoute, à ce moment-là on descend le long de l'extérieur, c'est ce que je pensais faire. On longe l'extérieur du massif pour descendre, et ensuite on revient par l'intérieur. Ouais mais l'extérieur du massif finalement c'est beau, mais on n'a pas été à voir de ce côté-là finalement. Ça c'est Yankee Québec ça. Ouais. Ouais. Albertville Roméo Delta, on passe le travers Maurienne Grésy sur Isère pour le col du Fresne, 3200 pieds, on quitte le circuit, à tout à l'heure. 12 000 pieds en descente pour Cluse. Le Fox en a passé le trou de la Mouche, 8-7 en montée vers Albertville du Fox, l'Imaïa qui est la 23 dégagé. Donc la Maurienne à gauche, ça va. Ouais, ça c'est l'entrée de la Maurienne. Le col de la Lune, destination 4, provenance de Genève, le Samaron 6 pieds stabilisé. La chaîne des Beldonnes. Donc la dent d'Arcluse à droite. Bonjour la montagne, c'est la dernière fois. Le départ de Genève, sur le mont d'Arbois, en montée vers Divine pour le retour de l'Arcluse. Derby du Fox, l'Imaïa qui est au bas. Cher Marc. Derby, il est en Delta pour un décollage en 23. Effectivement, quand on arrive pour un vol sur la Chartreuse. En montée 10 600 pieds, on a un trafic signalé 300. Albertville de Yankee Québec, je m'intègre en début de tranche, vent arrière 23. Sacré château là-dessous quand même hein. Comment? Sacré château hein. Oui. Voilà, on va prendre le col du Fred là. Victor oui. Depuis secteur Roseland, 2005, on prend 4 le col des Arles. Et non, Rico Papa, on arrive vers Picasso. Donc là, en fait, on est dans la partie médiane des Bauges là. C'est la partie médiane des Bauges là. Le sud il est là-bas, le nord il est là-bas. Voilà, c'est ça plus ou moins. Ok, d'accord. Là tu vois la dent d'Arcluse, le col du Fresne, là-bas c'est le Colombier d'Aillon. Ah, c'est ça le Colombier. Là-bas c'est le plateau du Margeria, il y a une station de ski. Tout à fait. Il y a une station aux Aillons aussi. Alors nous on va prendre par là, puis on va redescendre là sur le granier, puis on fera la deuxième partie des Bauges en... D'accord, en revenant. En revenant, ouais. Donc
nous on était à Hayon-le-Vieux en 2008. Ah oui, bah on va passer, c'est juste derrière là. Ouais, c'est ça. Donc on était monté du côté du Colombier. Bon allez, je viens de passer le traverse de flux de côté, je prends un cap sur le Bonjoli. Donc un petit massif, les Vosges, mais bien agréable. Ça serait 6800 pieds en montée, on est travers ouest de l'aiguille du Midi. Roméo Delta, on entre dans le col du Fresne pour le Colombier d'Ayon et le Margeria, 4300 pieds en montée. Il est super maniable, tu vois, tu peux, voilà, tu vois, tu veux aller voir les montagnes là, les montagnes, tu le fais comme ça, tu vois, tu peux vraiment t'approcher tout près. Ouais. Ouais, et puis effectivement, oui, c'est impressionnant. Voilà, puis après, tu veux... Et là après crac, bah, hop tu reviens un coup. Eh ouais. Tu vois, t'as pas trop de visée latérale, mais si t'as besoin de voir quelque chose, hop, tu vois, tu l'inclines. Ouais. Et hop, tu Ah oui, ça fait des super effets, dis donc, là dehors. Ça fait tu vois, donc il est T'as l'impression d'être en randonnée là carrément. Il a une maniabilité très grande et puis de très grande précision aux ailerons aussi, c'est ce qu'il fait. Ah oui, tu m'étonnes. Ah, wow, 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 par contre, il est beaucoup plus sensible aux pompes et aux dégueulages. Il y a de l'église. Voilà. Ça dégueule de ce côté-là. Ouais. Là, il y a deux. Non, il n'a pas trop bruit. C'est ça que se passe le Clarion 10002 vers Terre première. Effectivement, c'est pas le même type de vol. Et le Charlie Mike, on va passer auprès de nous, on a 8000 pieds vers Saint-Gervais. Ça vaut le coup d'essayer ça un peu en montagne. Ah oui, bah oui, tu m'étonnes. Voilà donc la station des Hayons, alors ça doit être Hayon, Hayon le Jeune, ça c'est ça non? Ouais, sans doute, ouais. Effectivement. Je pense que ça doit être ça, ouais. Ouais. Ah, quoique, non, pas sûr, parce qu'il y a... Il y avait une autre station un peu plus loin, là. Non, non, Hayon le Jeune, il est juste derrière, je pense. Et ça, c'est la station de ski. Ouais, c'est la station de ski, ça, ouais. Elle est un peu au-dessus. Hayon le Vieux, il est... c'est le vieux village qui est en bi-pente, en fait, en bi-montée, là, de l'autre côté. Et Hayon le Jeune, c'est celui qui est quasiment débouché, je veux dire, en venant de la vallée. Et la station de ski, elle est là, hein. Ouais, ouais. Tu vois? Tu rentres? La montagne, ça se situerait vertical Chamonix, cap au sud, 11200 pieds. Dans une sorte, depuis la GF 8000, on rentre dans le col des Arrivées avec un cap sur la tête. Effectivement, ça fait la montagne comme, comme la randonnée, là. Impressionnant et magnifique. Avec Victor Lima, on est sur Roseland. Voilà le Colombier d'Hayon de l'autre côté. Alors ouais. Oui, donc voilà encore... Alors ça doit être celui-là, Hayon le Vieux, je pense. Je pense aussi.
Et en face, c'est le... Alors non, à Hurlevieux, il est en dessous, là, je pense. Il est en dessous? Ouais. Ah, ouais, c'est ça, ça correspond à un petit village au milieu de la vallée. Parce qu'il y en a un là aussi, voilà. Ça, c'est pas... à Hurlevieux. Ça, c'est à Hurlevieux, alors. Ouais. On peut pas regarder les compagnies de mon doigt. On voit le lac d'Annecy. Ouais, on va repasser par là tout à l'heure là. D'accord. Là Julien, on est à l'est du Mont-Joli à Villefranche. Les gars, visibilité. Parce que quand les arrivées, c'est plus 5 direction Annecy. Et là effectivement, la station de ski dont j'ai oublié le nom. Donc 6 frais, travers ouest, de l'aiguille du midi, 12 200 pieds, route vers le sud. C'est la station du Margeria. Ah, d'accord. Alors, Hurlevieux ici. Alors là, il y a une bonne fromagerie, enfin il y avait une bonne fromagerie. Un grand bâtiment qui est légèrement à l'extérieur de la ville. Ouais, ça doit être ça là, devant là. Ouais. Donc on est 6000 pieds. On est à 6000 pieds, ouais. Le Fox Delta Alpha vers... Et on a donc une vue sur les Bauges droit devant. Le Fox Delta Albert 1er, 10000 pieds vers Argentière. Fox Delta Alpha, vous pouvez poursuivre. Bon, on parlera la des et vous allez bien, il y en a 18 ans en service. De la Chartreuse tout à l'heure. Suivez vers Écoyanqui. Joli plateau là. Merci pour la 18 ans en service. J'ai mis Chambéry parce qu'ils sont juste derrière. Là, on est en bordure de CTR de Chambéry. On va pas y rentrer, hein, mais devant nous, c'est Chalaisons. Juste en dessous, il y a le terrain planeur de Chalaisons. Ouais. Nous, on va repasser là-bas voir le lac de la Tulle et après, on va couper vers le Granier. D'accord. Un virage droite. Voilà, donc ça, c'est le plateau du Margeria. Un peu de turbulence, le vent 170 degrés, 12 à 16. Donc, il y a une station de ski, tu vois, on voit les pistes là. Voilà, oui. Traditionnel par gauche. Fox de Salva. Voilà, et là-bas au fond, tu vois, on voit la dent du chat. Oui. Et devant nous, là, c'est la station de la Fécla. Et le revers de l'autre côté. On est au sud, là, de... Et donc le lac du Bourget, il est juste derrière, là. Oui, tout à fait. Vers les Arabes. Fox Sierra Alpha Solo, prochain whisky, bravo. Fox Sierra Alpha Solo, reçu, vous pouvez poursuivre votre transit, vous me rappelez en sortie thème. Le Fox Linea 2, Albert 1er, 9500 pieds en montée vers 10000 pour le passant. Effectivement. Fox Sierra Alpha Solo, travers ouest du refuge du Goûter, 12000 pieds en route vers Osland. Corrier, Fox Bravo Tango, passe le whisky. Ouais, c'est très très maniable. Extraordinaire. Tu vois, il a un rayon de virage. Ah oui, bah oui. Donc l'avantage, c'est qu'en montagne, tu peux t'enfiler dans des vallées où tu sais que tu peux faire demi-tour que... Ouais, en avion, tu résistes. Avec un VR400, tu le feras pas, tu t'aventureras pas, quoi. C'est clair. Julien, on passe point Whisky Hotel pour Bogève, 5-17 ans. Donc ça permet aussi de... Voilà, tu vois, on voit le terrain de Chalaisons en bas. Ah, ouais, vu. Le Fox en sortie d'Argentière, 10000 pieds vers la mer de glace. Fox. Salut Loïc. Salut Loïc. Salut. Charlie, rappelez-moi. Salut Loïc. Salut, tu vois, on voit le Granier, Chamchaud derrière, le Rançon. C'est le dernier week-end, après je te verrai plus. Hein. On voit quoi? Ouais, c'est ça. Voilà, et donc Chambéry qui se dévoile. Bah Chambéry, c'est fini hein. Ok, ça marche. Eh bah bon vol. Toi aussi, salut. Donc ouais, si on peut passer par le col du Granier et tirer comme ça vers le sud. Ah, plutôt que prendre l'extérieur, ouais. On n'y a pas été à l'extérieur en fait. Ouais. Donc on aura, ça nous évoquera pas grand chose. Parce que les falaises sont spectaculaires hein. Ouais, mais bon... Mais on les a pas vus et on n'ira pas a priori. On est resté vraiment sur la partie nord, la partie ouest et centrale. On ira juste au cirque Saint même. Donc il est dans vos heures pour synoptique.
sens opposé, même altitude. Bien reçu, Fox Romeo. Et bravo, extra information de trafic, un VR400, on envoie une heure pour 6 nautiques. Il est sens opposé, même altitude, je vous rappelle, pour une info plus précise. Le Fox Indien 2, passons vers le Dolan Rive, droite d'Argentière à 10 000 pieds. Donc la CTR, elle est quelque part là, juste en dessous. On va y arriver sur la CTR. La CTR, elle est juste après le terrain de Challes-les-Eaux, là, tu vois. Oui, en gros, elle est là. Donc là, on est en point d'entrée Sierra Bravo, et après, la CTR est par là. Bon, pas nous, on va juste les corner. Sur 7000, et l'info de Lyon, si vous le souhaitez, 135-525. On est en sortie de zone, alpha 2 fois. On va passer au-dessus, sinon le terrain il est là-bas au fond là. On voit pas encore. On voit la partie d'or. Bonjour du Veltre Noam Charny, on passe vertical l'entrée de la parenthèse. Là-bas c'est le lac de la tuile. Sur le lac de Rosan. Oh, whisky Charlie. Okay. Alors il est assez spectaculaire quand on va de l'autre côté parce que t'as une espèce de rebord plongeant qui se tombe sur mon bélion et puis t'as le... C'est pas que sortie de mer de glace, 10 000 pieds vers le Prairien. Trafiqué. C'est basique hein, aujourd'hui. Nautique, même donc le bon grenier devant. Merci pour le trafic nord-ouest, je change de cap. Effectivement, là, il y a une lire d'enfilade sur tout le massif là. Fox Hôtel Juliette Delta Alpha, bonjour, je vous écoute. Fox Delta Alpha, je suis Travers Eco Yankee, 2100 pieds. Donc ça fonctionne, ça fonctionne. Fox Delta et sur Alpha, ma tête, ça va fonctionner vers la aussi, j'espère. Finale piste 18, le vent 170 degrés, 12 nœuds. Ah oui, c'est sacré, en finale vers la 18, j'ai bien pris pour le vent Fox Delta Alpha. 170 degrés, 12 nœuds. Fox Bravo X-Ray, je vais vous expliquer j'ai un trafic sur mes deux heures, même altitude. Attends, je regarde le terrain là. Et Bravo X-Ray, donc c'était le trafic signalé là, il poursuit maintenant vers le sud. Donc vous devriez être croisé, vous me rappelez Albi? Je rappelle Albi, Fox Bravo X-Ray. Ah, je le cherche, je vois pas d'appareil là. Ah bah dis donc, vertical là. Jean-Berry, le Romain Yankee demande de quitter le 4000 pour 3000 pieds en direction de Sierra Bravo. Fox Romain Yankee, vous pouvez débuter la descente vers 3000 pieds pour Châles et rappelez-moi pour passer avec eux. Je descends pour 3000 pieds vers Châles et je vous rappelle dès que je vais quitter pour eux. Ils ont une belle piste là-dessus, hein? Où ça, à Châles? Ouais. Ouais, ils ont une belle piste, ouais. Ils ont deux pistes même. Ils ont la ouais. Piste en herbe pour les perdeurs, ouais. Et une belle piste en dur de 900 mètres. 900 mètres, oh la vache. Eh ben voilà, le lac. Bon, on ira tout à l'heure, donc on s'y intéressera plus tard. Alors, devant nous, ben voilà, le massif de la Chartreuse. Voilà, ben nous, on va taper directement sur le granier avant qu'il y ait du vent. Ouais. Donc le granier. Voilà, donc ça c'est la Savoyarde avec le lac de la Tuile. Oui. Et là devant donc le granier. Donc le granier qui est juste en face, donc on l'a bien vu ces derniers jours. Et juste à droite là, on a le mont Joigny et la pointe d'Orgorja, juste à droite. Fox Bravo X-ray pour on y était il y a deux jours. Ecoyonki puis Albi si possible. Fox Bravo X-ray poursuivez vers Ecoyonki et Albi ensuite. Vous me rappelez Ecoyonki. Ecoyonki Albi, je rappelle Ecoyonki, Fox Bravo X-ray. Donc là il y a une petite astuce au niveau de la rando à connaître. Alpha, en finale, et que quand tu viens du col du granier et que tu débouches avant le mont Joigny, il y a une vue ici, 18, magnifique. 180 degrés pour toute la partie rappelez, j'ai pas compris ce que t'as dit. Il y a une astuce, c'est que quand tu arrives en rando là, tu débouches dans la partie gauche là, de la crête et tu découvres toute cette partie au niveau du massif. Donc les Bauges, le Mont Blanc, etc. Ouais. Et t'as intérêt à t'arrêter et en profiter parce qu'après derrière c'est fini. Après au niveau du Joigny, t'as une vue magnifique sur toute la Chartreuse. Ça y a pas à dire, mais côté nord c'est terminé. Et là, la petite pointe qu'on voit à droite là, c'est la pointe Gorja. Bah c'est là où tu vois encore le moins. Enfin au nord en tout cas. Donc là je sais plus, il est à 1540 mètres à peu près. Donc une belle rando à faire, ça monte bien, tout en forêt, tout, nickel.
Alors là, on se traîne, hein. J'ai l'impression qu'on a pas mal de vent de face. Ouais, j'ai regardé ce matin, il y avait un 15-2. Il venait du sud-ouest. Il marche ton GPS là, tu l'as mis en route ou bien... Ah ouais, il est en route là. Bah lui c'est juste un tracking, randonnée hein. Il affiche rien d'autre, enfin il affiche rien en fait. Non mais c'est juste pour avoir notre vitesse sol quoi. Ah ouais. J'ai l'impression que là, à mon avis, on est à moins de 100, on va à moins de 100 km/h là. Alors là, il me dit vitesse, on est à 110 km là. Combien ? 115. 115 ? 115, ouais. Ah, tu vois, on est à 145, ouais, on a 32 de face. 30 km/h de face. Ouais. Chambéry, le Romain Lanxi, on va le faire en vue pour quitter la fréquence. Bon, on va s'approcher un peu du granier, mais on va se faire brasser, hein. D'accord, ok. Je passe profondeur à 7000 et je passe avec ça, alors au revoir. Ça va, t'es bien serré? Ouais, je vérifie. Ah, ça commence. Ouais, ça, non, c'est parce que j'ai laissé la... Ah. J'ai laissé les commandes pour me resserrer un peu. Voilà, je viens de remettre un centimètre. Donc nous disions, le mont Joigny au premier plan. Le col qui a un nom en aile, c'est pas Fontanelle, mais ça y ressemble. Et derrière les falaises, la paroi du mont Oudéran. Donc en fait on peut y aller en partant vers la droite, on grimpe dans la paroi en fait, il y a un moment donné, le chemin il passe par là. On remonte au-dessus, on suit la forêt et on va à la pointe tout au fond là-bas. Pour redescendre évidemment. Là on profite de la vue exceptionnelle sur le granier. Et... Ouais, on voit bien les éboulements qu'il y a eu il y a... Les deux... Non, en 2016. Les deux éboulements qu'il y a eu il y a deux ou trois ans. C'est trois ans, ben, ou trois ans, plus même, ouais. 135 décimales 525 et 7000 autres sondeurs, avec 150, votre chef Sierra. Chapchaud, bon, on était en face de Chapchaud hier. Hein. Tapinéa, je te disais. Donc le grand son. Comment vous dites ici alors? Le grand son. Donc, Bravo X-ray, 2 minutes écologique. On dit le grand son, ouais. Ouais, c'est ça. Bravo X-ray, poursuivez vers Albi, rappelez-moi Albi. Je rappelle Albi, Fox Bravo X-ray. La Grande Sûre. La Roche-Véran qu'on verra beaucoup mieux tout à l'heure. Donc voilà le granier, magnifique. Attends, bah, je vais faire un demi-tour, comme ça tu vas le prendre de ce côté-là. Ouais. Ah bah tiens, hop là, mont Joigny. Avec les granges, les chèvres. Yo. Ah, tu vois qu'on va vachement plus vite dans l'autre sens, hein. Ah, tu m'étonnes. Ah ouais, sacrément déchiré la montagne. Et Bravo X-ray a monté à 5500 pieds et t'as trouvé. Elle est sacrément déchirée. Hein. Oh là là. Ah ouais. T'as vu ça? Eh ben oui. Hein. Delta Alpha, poursuivez vers novembre-lima. Rappelez-moi novembre-lima. Blam. T'as pris autorisé à monter 4500, Delta Alpha. Le brassage prévu est arrivé. On va s'éloigner un peu. Ouais. On va pas trop le contrarier. Extraordinaire. Olé. T'as vu, hein, c'est...
On a l'impression d'être un fétu de paille. Ah ben oui. Bah finalement c'est là où on voit aussi la différence. Donc là Avid il pèse combien? Enfin Avid avec nous compris il pèse combien là? Oh bah là on a pas mal de carburant, puis à nous deux avec tout le... À mon avis là on est à la masse max hein, on est à pas loin de 500 kg là je pense. D'accord, ok, et ça empêche pas que pour lui un courant d'air terminé, au revoir. Ah bah de toute façon ouais, puis en ULM on sent beaucoup mieux, même si c'est un... On est beaucoup plus sensible à l'aérologie ouais. Hein. Ouais. Ouais ouais. Donc ça c'est la première chose qu'il faut savoir quand on passe d'avion sur LM finalement, c'est qu'on est plus léger et donc on est beaucoup plus sensible à tout ce qui est courant d'air. Oui et puis tu vois l'avion il a plus d'inertie. Quand tu fais des circuits en avion, oui. Une fois que tu es sur le plan, tu es sur des rails, ouais. L'ULM lui, un souffle d'air, hop, ça le fait remonter ou ça d'accord. Le fait descendre, donc faut vraiment le tricoter jusqu'à la fin quoi. C'est ça un peu... En contrepartie aussi, si t'es pas du tout sur le plan, tu rattrapes un plan beaucoup plus facilement qu'en avion, quoi, tu vois. D'accord. Le fait de sa maniabilité, t'es pas sur l'axe, t'es pas sur le plan, tu peux le rattraper au dernier moment, enfin quand ouais. Tu l'as bien en main, tu lui fais faire ce que tu veux, quoi. Tu lui fais faire des circuits ultra courts. Alors, on va se mettre du bon côté, ça sera mieux, voilà, comme ça. Donc en dessous, entre bon le vieux. Ouais, c'est ça, pas de doute. On va essayer de voir entre bon le vieux, voilà. La montagne, Fox Oxy-Fray, travers nord d'Albertville, 9500 pieds stables. Donc ceux qui ne connaissent pas Entrebon le Vieux, je les invite à venir ici. Il y a une fromagerie là qu'on voit en partie au nord, à gauche, à droite pardon, de l'écran. Faut pas hésiter à venir, hein. Ils font du bon fromage. Ouais. Ah ouais, je confirme. Donc la pointe, j'ai évidemment oublié le nom. Donc on arrive sur Saint-Pierre d'Entremont. Alors tu vois, on a toute la vallée du Rhône en enfant. Ah là, c'est sur la fréquence. Là-bas, on voit Lyon, tu vois. Là, ouais. On voit le terrain de Grenoble-Saint-Jouard, là-bas. D'accord. Puis donc là on a pratiquement, tu vois on voit la centrale de Cresmalville là-bas, la centrale du Buget. Oui. Ouais, aujourd'hui on a une visibilité d'enfer là. Fox Tango Echo, on passe les menhirs 9800 pieds en route vers Courchevel. Les monts du Lyonnais. On a le cirque de Saint-Même avec la cascade, mais c'est dommage, à cette heure-ci elle est dans l'ombre. Ouais. La caméra tête fonctionne toujours. Comment ? Caméra tête, non la mienne, c'est au-dessus de ma tête là. Ouais, je vois que ça clignote. Et ici ouais. Aussi là. Ouais, ça clignote aussi, ouais. Nickel. Donc, visuel sur Entremont-le-Vieux, pardon, Saint-Pierre d'Entremont. Donc, côté Savoie, côté Isère. La Roche-Véran qu'on verra mieux tout à l'heure en revenant. Et donc on est ouais, quasiment vertical du cirque de Saint-Même. Donc avec les parois. On a passé le Pinet qui était à gauche. Et celui qui est là à gauche là voilà. Là c'est celui qui est à gauche là, en avant au premier plan. Bon, je m'approche pas trop de là, parce ouais. Que si, je pense que si on passe la crête, on va se faire tabasser. Et là, on a donc le cirque de Saint-Même. Effectivement, je distingue la cascade. Demain, on devrait y aller par là. Saint-Même d'en haut et d'en bas.
Là, on est sur toutes les lances de Malissard. Comment il va, le Bertrand? Les lances de Malissard. Ouais, c'est pas mal, écoute. Qu'est-ce que tu racontes? T'as fini bientôt là, toi? Là, Roche Véran. Alors, moi, je suis toujours en place, et puis l'agence de vacances, et voilà, je suis chargé à bloc. Ouais, bah, c'est bien, écoute, je te dis à tout à l'heure, on va bien se croire, je te vois là-bas, ouais. Effectivement. Bon, voilà, toi, à tout à l'heure. Et Fox Tango, on passe vers Calmery, Bell. On a 9000 pieds en descente vers Lima. Bah c'est bien, tu fais quoi après? Bon, bah, profite bien, plus tard les gars. Donc la ligne de crête qui mène au grand fond. Cal, Megève, 8500 pieds. Pas compris? Non. J'ai pas compris ce que tu m'as dit. Je disais la ligne de crête qui mène au grand fond. Au premier plan, ça s'appelle la dent de l'ours, là. Voilà. Derrière, on a le petit son. Pas trop trop descendre parce qu'on va se faire brasser si on descend, j'ai l'impression. Non, non, on est bien, là c'est barré. On a une belle vue, tout est bien éclairé, c'est nickel. Donc le petit trait vertical très lourd, 8300 pieds en descente. Alors on va essayer un zoom sur grand fond. Donc c'est un bon écho, on passe 150 consommables en approche du point Lima en descente vers 8500, descente vers 7500. Effectivement il fait pas froid là. Non non il fait pas froid hein. Alors à droite la grande sur le Charmançon. Donc on y était hier après-midi au Charmançon. Charmançon ouais. En fait, après la rando de la Pinéa qui est juste à gauche, là que je distingue, on est allé juste... Voilà, ok, il y a deux sur la jonction, 9400 pieds en descente vers le col de Vos et le Tricot. Histoire de faire quelques photos du massif, justement. Hier, à notre surprise, il y avait plus de nuages. Donc le Patricret, vertical le Châtelard, 8200 pieds. Il y avait beaucoup de nuages. Hier, il y avait le matin, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ça s'est levé après petit à petit dans la journée, mais... J'ai fait un baptême le matin à 10h et il y avait beaucoup de nuages vers le Mont Blanc. J'en ai refait un peu après 11h, c'était tout dégagé. D'accord. Mais c'est vrai qu'hier, entre 9h et 11h, il y a eu un voile de nuages assez important. Nous, il est même resté sur le secteur jusque vers 12h, hein, 13h même presque. Bon. Et après, quand on partait, ça dégageait. Alors, quand je dis les nuages, c'était en partie. On voit qu'il était à 2000-2200. Hein. Il y a un moment donné, on n'était pas si loin dessous. Hein. Alors, donc le Chapchaude à gauche. Chapchaude non, à droite, là. Ah oui, c'est celle-là. Voilà, ça, c'est la dent de crawl. Ouais. Où est-ce qu'elle est? La Pinéa. Voilà, la Pinéa. Et la Pinéa, je crois, c'est la pointe là-bas. Là. Ah, c'est la petite pointe, ouais. Donc là, c'est une rando à faire. Hein. Faut pas hésiter une seconde. Hein. Elle n'est pas très difficile, elle est très très agréable. La Pinéa, j'ai fait ça il y a quelques années, il y a une trentaine d'années. J'avais mon petit frère qui faisait ses études de médecine à Grenoble et quand je venais le voir, c'est là qu'on a fait pas mal de balades en Chartreuse. La dent de crawl, Chapchaude, la Pinéa. Et après en famille, pas mal de... le Charmançon aussi. Allez. Et puis de l'autre côté, la pointe Joigny aussi, je l'ai faite. Enfin, on a fait pas mal de... Je crois que c'est un des massifs où je me suis le plus baladé, la Chartreuse. Ouais. Ah oui, il y a matière à faire. Mais c'est vrai que c'est beau. Puis c'est de la randonnée familiale, quoi. C'est pas... Après, oui, c'est ça. Après, t'as des endroits, justement, là, je suis en train de zoomer dessus. Au niveau de Chapchaude, si tu passes par la partie droite, qui s'appelle le jardin, est beaucoup plus aérien et beaucoup plus dangereux apparemment. Faut mieux faire gaffe quand même. Bon, en tout cas,
Voilà, tu vois, là dans le creux, tu vois la piste du Versou. Attends, je vais mettre sur le Versou d'ailleurs. Les écouter. Donc là, c'est très stable. Hein. On branche pas du tout là. Ouais, là c'est bien. Je pense c'est parce qu'on est un petit peu. Tu vois, on est à 7500 pieds là. On a repris un peu plus de 1000 pieds par rapport au granier tout à l'heure là. Donc juste ce qu'il fallait pour passer au-dessus quoi. Je pense le granier, on était pris dans le rouleau juste derrière là. Tu vois, ouais. Sinon à droite ou à gauche, ça allait quoi. Tout à fait. Donc Charmançon. Ah, tu vois, si on tombe en panne, on fait le Versou là. Ouais. Direct. T'as une finesse de combien celui-ci? Bon, une finesse de. Pas terrible, hein, 11-12. Ah, bah c'est déjà mieux qu'un DR400. T'es mieux qu'un DR400, ouais. Alors, où est-ce qu'elle est, Cham Chaude? Ah, elle est là. L'appareil travers mer de glace, vous êtes en entrée de mer de glace. On se reporte sur le double de côté. Ouais, on est 7700 là. Attends, on va descendre un peu quand même pour mieux voir. Ouais, le Vendrico Papa, on arrive à travers les aiguilles de Varin. On est 8000 pieds pour Chamonix et le Tour. Le Mont Aiguille. Incontournable. Donc kilo 2, on arrive vertical, le lac de passé 8500 pieds en descente vers Combloux et Megève. Il est hyper stable l'appareil. Super dévolu, dans le maximum en finale pour la 16. Ouais bah quand l'air est calme. Pardon pour la bêtise. Quand l'air est calme, il vole tout seul hein. Ouais, tu vois, ça se voit. Tu le tiens d'un doigt hein. Ouais. Donc à droite le jardin. Bah. Négatif. Ah non, Charlie, j'arrive vers le Ah, il y a du monde hein. 10 000 pieds. Vas-y, on fait un travelling sur la ligne de crête là. La pinéa en arrière-plan. On rappelle final piste 04 dur. On rappelle final Paul Tir Alpha. Le Verso Tour de Fox Golf 5 Sierra Oscar, rebonjour. Fox Golf 5, Sierra Oscar, le Verso Tour, bonjour. Fox Sierra Oscar, de retour pour les installations. Oh, il y a un monde fou sur ce... Ah bah, tu pars. Le massif. Yahoo! Fox Sierra Oscar, appel monter à main droite, Verso 04. Appel monter à main droite pour la Verso 04. Waouh! Ah ouais, ça jette. Vers Lima, Juliette, on procède au largage des trois parachutistes verticales, leur module avant-champ entre Chamonix et Argentière. Alors, pour deux nautiques à l'entrée de la mer de glace, surtout ne faites pas de demi-tour, vous gardez l'éloignement en direction les Ouches. Ah, ils doivent halluciner sur la montagne là. Donc ça fait papa, 10 000 pieds travers les guillemets médias, on se rend compte. J'étais à fond là. Non, Charlie, j'arrive à entrer glacée d'Argentière, 10 000 pieds direction là. Elle reste bien au site de la vallée de Chape pour les paras. Putain, on a perdu presque 1000 pieds là en faisant. Ah bah tu m'étonnes. Charmançon. Toujours. Alors voilà la. Attends que je dise pas de conneries. La pinéa c'est celle-là. Hein. C'est celle qui est juste à droite là en bas là. Ou c'est l'autre. Non, c'est celle-là. Ah non, c'est celle-là. Voilà, c'est celle-là. Ouais. Allez, on va dire bonjour à la pinéa. Et novembre, Rico Papa pour Lima Juliette, pouvez-vous répéter l'info là pour les parachutistes? Alors les parachutistes ont été largués, ils sont au niveau du Lavancher, donc sortie de mer de glace vers le mont en vert. Faut pas descendre en dessous des minutes. Sierra Oscar numéro 2, tu as un sport star en finale. Donc là, novembre, Charlie, grand montée, j'ai croisé l'hélico.
Oh, il nous emmerde, hein. Il y en a que pour le Mont Blanc, hein, sur cette fréquence non, montagne. Ah, bien reçu. Donc en fait, elle est bien agréable à faire cette rando, parce que bah, c'est pas difficile déjà. Tu montes tout en forêt essentiellement. T'as quelques points de vue qui s'ouvrent. La montagne, bonjour, la Tesla, et après tu termines, donc, tu tiens, environ 100 mètres là. C'est complètement découvert. Mont-Bédian à 4000 pieds. Novembre Eco Papa, on est arrivé vertical les ouches, on est 9000. Et il y a du monde là-haut aussi, hein. Ouais, il y en a deux personnes. Glacier et tout. C'est incroyable, hein. T'as vu un chapchute, le monde qu'il y avait, c'est incroyable. Ouais. Ah ben là, oui, c'est normal, hein, de toute façon. Et dimanche, t'as vu la météo qu'il y a? Ouais, c'est vrai. T'es obligé, hein. En fait, j'ai regardé hier soir, tu montes au col de la Charmette qui est juste en dessous, là. On est passé. Passé à la verticale et t'es à... Ah, attends, je ne dis pas de bêtises. 1300 mètres, je dirais, ou 1300 mètres, ou 1200. Non, t'es à 1250. Ah non, je raconte des conneries. La Pinéa, c'est pas celle-ci, là? Non, la Pinéa, c'était derrière. C'est derrière? Ah oui, c'est celle où on était tout à l'heure. Donc la Charmette, t'es à 1600. Et tu grimpes à 1400, pardon. Et tu grimpes à 2000, ça te fait 600 mètres de dénivelé. Parce que moi je crois que c'est celle-là que j'ai faite moi, c'est pas la Pinéa, ça c'est... Je crois que c'est celle-là la Pinéa. Non, la Pinéa, c'est là où on était tout à l'heure, c'est d'accord. On y était hier. Moi c'est celle-là que j'ai faite. Hello, ça termine en... c'est joli ça. Mais tu finis, tu finis en escalade alors? Ouais, bah on savait pas nous, on était avec mon frère. Mais on s'est aperçu après en regardant le guide que c'était... Ouais. La Pinéa c'est celle-là là. Celle-ci là. Ouais. Voilà. Elle est belle, elle a un joli profil en fait. Quand tu la vois du Charmençon, ça te fait un... vraiment une pointe en fait. Oui, c'est vrai, et là, ça fait plus une... Et là, de ce côté-là, ça fait une falaise, en fait. Ça fait plus une... ouais, une épine. C'est toujours derrière moi, Olive. Donc, la grande sûre. Voilà, donc on voit Voiron en bas. Ouais, on voit bien la piste de Saint-Joire là. Ah oui, ouais, dans la gauche. On arrive, et là-bas au fond, Valence. Argentière. Oh, il est visite d'enfer aujourd'hui. Hein. Ah bah là, oui, c'est incroyable. Hein. Ah non, Charlie, j'arrive à cette route 10 000 pieds. Il y a plus de 100 km là. Ah ouais, facile, ouais. Ah, large. Passons au Mont Blanc d'ici à 90 km. Donc. Et là, on voit largement plus loin. Bon, à droite, là-bas, la Grande Chartreuse, le monastère. En bout d'aile, sous l'aile, donc il est... Je le montre pas. Ah, là, il apparaît. Alors, attends, on voit encore bien la Grande Sûre, on en profite. Donc, on n'est pas venu balader encore par ici. Vous n'êtes pas venu par là? Non. Il n'y a que hier, on est sorti vraiment de la partie nord du massif. Ah, on a une belle vue sur tout le massif, là, c'est incroyable. Les lances de Malissard, tout à l'heure, je les ai vues quand on était vertical. Bah, on prend les longées. Bon, alors la Chartreuse. Là aussi, il y a du vent, toujours. Et plus à combien il est, ouais. Dans les 1800 aussi, je crois. Papa, on est 9300 pieds en entrée du tour. Donc dessous là-bas, on va voir les échelles. Ouais, les échelles, c'est juste là. Voilà, on est allé aux grottes des échelles il y a 2-3 jours. Là, quand tu arrives par l'ouest, t'as une vue magnifique sur le massif. Hein.
C'est vraiment terrible. Bon, alors, le grand son. Alors le grand son, c'est celui-là. Attends, le charbon, c'est celui-là. Et là, le charbon son, il est à droite. Passage Charlie en reconnaissance directe, basse, super dévolu. Voilà. Donc une vue dégagée là sur la Pinéa. Sur France vers port. Cap chaude. Ah, ça dégueule un max là. Ah ouais, tu le sens passer là? Ah ouais. Ah, je suis à fond, tu vois, presque. Enfin, pas tout à fait, mais... Et j'ai de la peine, à monter, tu vois. D'accord. Voilà, ça c'est les alpages du Charmançon. T'as vu comme on part en crabe? Ouais, normalement le vent il vient de la droite là en principe. Ah ben, on le sent bien hein. T'as vu, on part presque comme ça. Là, on va se faire dégueuler aussi. Donc Charmançon, le chalet, voilà, ça c'est l'arrivée du col. Enfin du col. Pas un col, hein, c'est pas la montagne. Et à Brouhaha, on a 150 mètres de dénivelé. Bon, c'est joli, hein. C'est joli pour aller voir ce qu'on a à gauche. Donc ça, c'est Saint-Pierre de Chartreuse. Hop, dernière vue sur Cap Chaude, là. Et tout de suite, alors, une vue. On va tourner. Un monastère ici. Et le deuxième là. On va bientôt passer à travers le baie. Ah, voilà, ça c'est la grande chartreuse. Ça. Voilà, ça c'est la grande chartreuse. Ah, dis donc, en 2012, si j'avais su qu'un jour je verrais dans l'avion. Allez, un zoom max. On profite de la stabilité. Ah tu vois là ça pompe. Ouais. Je descends, regarde, j'ai tout, je réduis, oui. Je pique et on monte quand même. Mais de l'autre côté on va se faire dégueuler. La montagne Romeo-Yankee verticale Excel à 6800 pieds. Bon, je vais quand même faire une photo là. Que le grand son, c'est le grand son. Ok. Voilà. Alors attends, si tu veux que... Ça va, tu l'es... T'es bien pour le cadrer là? Ça va? Cadré, nickel. Voilà. C'est bon, je l'ai eu. Donc il est à 2080 je crois celui-ci. Ah bah tu vois là on est à 2... On est à 7100 pieds donc tu vois ouais, c'est ça. Bon finalement si on n'y monte pas c'est pas grave. Si on n'y monte pas à pied c'est pas grave. En avion, tu fais tous les sommets, hein. Et hop là.
On est sur 10 000 pieds là. La pompe comprend là. C'est Charlie Mike, confirme Mike et Julien. Alors le petit son est juste en dessous là. On peut fumer, on se reporte sur ta merge. La montagne, on va lancer verticale sur la maquette, cap 60 à 7400 pieds. La Ruchère. Ah voilà. La Roche-Véran. Donc là, c'est pareil de Saint-Pierre-d'Entrebon qui est juste en bas à droite dans l'encadrage là. Tu peux grimper à la Roche-Véran. T'es courageux, t'as 800 mètres de dénivelé. Montagne, force GF Echo, verticale, Glandon, en direction de la verticale, le col de la Madeleine actuellement à 9700 pieds. Voilà, le son en 3D de géographie. Donc nous, le gîte, il est juste quelque part à droite, là. Ouais, bon, de toute façon, on s'en fout. Tiens, et regarde le Mont Blanc, évidemment. Charlie, vous me rappelez quand vous faites... Donc le granier sur le Mont Blanc. L'inverse. Trafic, la conflictuelle qui sera aux alentours de 4 000. Je rappelle pour la descente, c'est tout va bien, Olive? Et on est... 7000 là, 7000. On est à 7500 là. L'air est complètement calme. Alors derrière les lances de Malissard, tellement que j'ai pas encore vu là. Quoi, tu voulais filmer les lances de Malissard? Ouais, s'il te plaît. Ah bah tiens, on va profiter de la vue sur Saint-Pierre d'Entremont, voilà. Alors tiens, c'est pareil, si tu veux faire une petite randonnée sympathique, tu vas juste en dessous là, ça s'appelle le château. Il y a un château en ruine d'ailleurs. Et là, je peux te dire que tu fais une balade très agréable, 2h, 2h30. Et tu as une vue sur tout le massif, ça, déjà, ça te fait le massif en 3D déjà, rien que là. Et on n'est pas haut, hein. Mais c'est à faire, franchement, c'est à faire. Ah, les lances. Bon, alors, sous le soleil, évidemment. Travers Eugène, 6500 pieds en montée, en direction des 7000. Ah bah tiens, on est à la verticale du gîte. On vient de passer Eugène, 6500 pieds, on se remonte sur Palerge. Ouais, alors tu le vois à l'œil nu et puis à la caméra. Ah, la verticale du gîte, il est là. À côté de Mike Julien, non. Ah, j'ai dit tout ce qu'on dit. Et novembre, on est en entrée de mer de glace, 7600 pieds pour... Tu vois, quand tu remontes au vent, t'as l'impression de tourner sur place, là, regarde. Ouais, c'est vrai. T'as vu, hein? Ah oui, oui. Ça fait un curieux effet, hein? Ouais, après, quand vrai, tu pars, t'es entraîné par le vent, là, que tu passes en vent arrière, c'est différent, mais... Et tout d'un coup, tu prends une accélération. Ouais. Donc on est vertical de la Roche-Véran. 7800 pieds. Ça pointe quelque chose. Kilo vertical Frontenac, 6000 pieds en direction Alvar au 200. Et le Mont Oteran. Fox Golf, Charlie, Victor, Fox, bonjour, je vous écoute. Ouais, bonjour, appel 206, on a décollé de Valence, on est à destination du point novembre à Tissy, on pointe nord-est de la zone de Grenoble, on a 7000. Fox Alpha Papa, vertical Faverge, direction Saint-Joriot, 6500 pieds. 17. Je suis à un autre qui va aller des Chapieux vers Montsaint-Marie. 17, 62, 1016, Victor. Mine de rien, il y a du monde quand même. On arrive vertical Albertville,
terrain, j'ai visuel. Et juste derrière, on a le pilier. Vous pouvez quitter ma fréquence sans le transpondeur sur 7000, au revoir. On va faire Belette, on va transiter par le Revard là-bas, puis on va revenir par les Bouges. D'accord, nickel. Ça te va ? Impeccable. Voilà. Bouteran, Joigny, allez, une petite vue d'ensemble là, sur l'extérieur du massif. Tu vois le lac de Paladru là-bas? Oui, ouais, en bout là-bas. Et là, il y a le terrain de Saint-Jean-d'Avelane. Ah, si on est en panne, on fait Saint-Jean-d'Avelane. Oh, remarque, on a aussi vite fait de faire Chambéry-Aix. Bon, je vais les appeler là quand même pour transiter. Hein. D'accord. Chambéry, Fox Juliette Delta, Romeo Delta, bonjour. Fox Romeo Delta, bonjour, je vous écoute. Oui, Romeo Delta, P92, vol circulaire d'Albertville pour Albertville. Là, on sort de la Chartreuse, on arrive au sud de Sierra Whiskey, 7600 pieds, on voudrait transiter par Sierra Whiskey et le Revard pour les Bauges. Roche, Romeo Delta, le transpondeur 7765, le QNH 1016, vous pouvez procéder pour le Revard, rappelez secteur Revard en route vers les Bauges. Oui, 7765 au transpondeur, le QNH 1016 et on transite sur le Revard, on vous rappelle le Revard, Romeo Delta. Alors, 77... Chambéry, good morning, Hotel Lima Tango. Hotel Lima Tango, good day, go ahead. 5. Hotel Lima Tango is inbound Whiskey Charlie VFR flight from Chambéry to Lyon Bran. He's just passing en masse at 4000 feet, squawking 1240. 10016, hein. Hotel Lima Tango de Squawk 7765 KNH 1016, reporter Whiskey Charlie Point. Tu vois le lac des Belettes, hein? Squawk 7765 KNH 1016 and report Whiskey Charlie Hotel Bravo Kilo Lima Tango. Ça c'est du bleu, hein? Turquoise même. Fox Kilo. Fox Kilo, j'écoute. Fox Kilo, information de trafic, un DR400 dans vos 11 heures pour 4 nautiques, il est route opposée 200 pieds haut. Eh bien, on ouvre l'œil le Fox Kilo. Fox 2 fois information de trafic, okay. Un DR400 dans vos 11 heures pour 3-4 nautiques, sens opposé et 100 pieds bas. J'ai pas compris ce que tu disais. Il dit qu'on a une superbe vue sur tous les massifs au fond là-bas. Sierra Charlie, poursuivez avec moi sur la fréquence Tour 118.3 en route vers la finale. Je vous rappelle Tour 118.3, Sierra Charlie. Voilà, tu vois là, on a les deux lacs. Sierra Charlie en fréquence. Avec Belette d'un côté et le lac du Bourget de l'autre. Ouais. Je rappelle finalité pour Sierra Charlie. C'est parfait, à Fox Foxfire. Bien, petite vue de l'intérieur. Le trafic visuel sur vous, il est dans vos 10h, 9-10h pour 2 nautiques et même altitude. Ouais, c'est Fox Foxfire. Voilà, là, t'as toutes les Bauges en enfilade, là. Ouais. Allez, une dernière vue sur la Chartreuse.
Hier, on n'aurait pas profité de la même manière samedi. Hein. Non, je crois pas, non. Ah, puis samedi, ça tabassait. Hein. Ah oui? Là, il y a un petit peu de vent, ça commence. Oui, oui. Mais tu vois, c'est tout doux. Hein. Je pense cet après-midi, ça va souffler. Mais samedi, là, samedi soir, j'ai volé. Je suis allé vers la Tour du Pin, Morestel, avec un. Ouais. Avec mon collègue, on est allé se balader un petit peu, faire des. Mais tu vois, là, par là, ça, on se faisait brasser. De l'autre côté, c'était calme, mais là, on s'est fait pas mal brasser, surtout au Granier. Là, on s'est même pas approché d'ailleurs. D'accord. Tout à l'heure, c'était une gentillesse qui nous avait comparé à ce que tu aurais fait. Ouais, c'est, tu vois, c'était circonscrit, mais c'est souvent, hein, quand tu sors du Granier comme ça, que tu. Ouais. T'es salué par le Granier. Parce que là, vous arrivez en sortie, cette lumière est quittée la fréquence, au revoir. Kilo, bon, reçu, on une verticale Chambéry dans foule. Donc on est 7800. Et le Fox Sierra Charlie, vos intentions à Chambéry, c'est en complet? Complet pour la journée. Fox Sierra Charlie, autorisé atterrissage piste 18, vent 180 degrés, 9 nœuds. Un petit Sierra message. Charlie, autorisé atterrissage piste 18. On va entendre parler là, ouais. Un petit message, bonjour aux copains du forum. Hein. On passe vertical, tu vois, pratiquement. Vertical Chambéry. Et le lac de Bourget comme si c'était notre baignoire. Exactement, ouais. T'as une panne moteur, tu la gères en spirale, là, tranquillement. Oh bah ouais, là tu fais... Hop là! Bon, tu fais châle aussi! Je pense. Hôtel Lima Tango, can you confirm? Ah oui, effectivement, oui. Mais soit l'un, soit l'autre. Là, t'as largement le choix. Tu discutes avec la contrôleuse, là, tu négocies. Oh, je viens chez vous? Oh, je sais pas. Oh, si, oh, puis non. Hôtel Lima Tango. Donc on est vertical là? Hôtel Lima Tango, ouais. Hôtel Lima Tango, can you confirm type of request? Delta donc Romeo Paul Zero, Hôtel Lima Tango. Alors, attends voir. Hôtel Lima Tango. Ok, je me repère à Yon. Voilà, tu vois le plateau du Marjoria où ah, on oui, était tout oui. à l'heure. Les Ayons, c'est encore derrière. C'est encore derrière, là, ouais. Voilà, on arrive sur le Revar. Là, ouais. C'est la station de la Fécla. Ouais. Toi, t'as la croix du Nivolet, là. C'est juste là, en Boudelle, là. Ouais. Toi. Et là, la station du Revar. Et nous, on va retomber là-bas sur la vallée de l'Echrem. Ouais. Là-bas en face, t'as le 712. Voilà, donc nous, on va prendre dans la vallée là, puis on va rentrer comme ça. On va voir un bout du lac d'Annecy, puis on va revenir. Fox, deux fois, je vous écoute. Je vais voir avec vous pour le transit dans les services de Lyon, les stations de Valence, où je regarde avec eux directement. Si tu veux, je vais faire un et petit Fox, tour comme ça. Deux fois, je vous enverrai suffisamment tôt là pour que vous puissiez les contacter. Voilà, et pour info, les zones planeurs sud là sont actives, la R3205 Bravo. C'est reçu pour le R3205 Bravo et bah, je regarderai directement. Ah, bah, oui, oui. Fox Sierra Charlie, vous pouvez dégager par Charlie et vous veniez voir quelqu'un en particulier, vous savez sur quel parking vous souhaitiez rouler? On peut aller sur le terminal à faire, je pense que les taxes d'atterrissage sont payées là-bas. Affirme, donc si vous n'avez personne à voir à l'aéroclub, ce sera un roulage pour derrière la barrière anti-souffle, vous pourrez ainsi payer la taxe d'atterrissage et sortir et re-rentrer un peu plus tard dans la journée. Ça marche, c'est Charlie.
Hotel Lima Tango is overhead Whiskey Charlie 4000 feet, now returning to Whiskey Bravo. Roger, Hotel Lima Tango, you can continue your transit. Sierra Charlie, la 18 est dégagée. Parfait, Sierra Charlie, donc tout droit et ensuite la prochaine à gauche maintenant et derrière la barrière anti-souffle. Vous mettrez au nord des petites jets là qui sont garées au parking à faire. Au nord des jets, Sierra Charlie. Voilà la station du Revard. Il y a un départ de parapente aussi là. Ah, j'avais dit que je la rappellerai au Revard. Hein. Ouais. Romeo Delta, on passe le Revard. 7300 pieds pour passer sur 130. Romeo Delta, 7000 et vous pouvez quitter ma fréquence, au revoir. Oui, 7000, on quitte, au revoir, merci. T'as un appareil qui est en dessous là. Enfin, en dessous, très bas. Ah oui. On est 12600 pieds, on quitte le refuge du Goûter pour l'aiguille du Midi puis les aiguilles de Champs. Attends. Francis Diakilo arrive vertical, collé d'Alvar, 6100 pieds. Roméo Delta, on vient de passer le Revard pour l'Echerenne 7000 pieds. Le oui. 7-12, tu vois les tessins. La montagne de Foxy, Formiga, bonjour, là-bas. On fait des baptêmes sur un style. On tourne autour du lac, entre Doussard, Sévrier et puis le col de la Fontaine. Fox Juliette Hotel, bonjour, DR300 provenance de Megève, on est au nord du lac, on a visuel sur votre évolution. Ok, merci, on est à 3200 pieds en général, on tourne à 3200 pieds. Et, ok, je suis Juliette Hotel, je suis à 5003. Et je reste à 5003, je rentrerai dans la vallée de... Comment savoir je rentrerai dans la vallée de Thône par la suite. Ouais, le lac d'Annecy là, ouais. Le lac. Ok, pour Fox Télé Formiga, on a bien compris, bien reçu. Fox Papa Echo vertical, Manigo 6200 pieds, en direction de Faverges. Ce qui est bien avec le cabescope, c'est que là je vais m'occuper un petit peu d'autre chose. Papa, et je vais mettre une séquence fixe sur l'arrière. Comment? Je mets une séquence fixe visuelle sur l'arrière avec le cabescope. Lui devant, moi devant, et lui filme derrière. Stable, tranquille. Voilà, tu vois les tours Saint-Jacques, le pont de l'Abîme. Ouais, en tu bas le vois là. Ouais. Et les gorges du Chéran. Il y a un pont aussi là-bas, viaduc même. Ouais, ouais, ça c'est l'autoroute. L'autoroute qui va, tu vois là-bas, on voit le terrain d'Annecy. Ah oui. Vers 10 000 pour le passant. Fox passe le grand bord en 7000 en montée. Bon, un check caméra, ça fonctionne toujours. La mienne sur la tête aussi. Ouais, ouais ça fonctionne, ouais. Les deux fonctionnent. Nickel. Bon, ben, on a une vue sur le Mont Blanc là encore une fois. Voilà, ça c'est le 7-12. Donc les gorges du Chéran. Ah oui d'accord, juste en dessous là. En dessous, tu vois, avec le pont de l'Abîme. Ouais. Juliette Hotel, on quitte le secteur d'Annecy, toujours 5300 pieds, on rentre dans la vallée de Thône. Ça c'est les tours Saint-Jacques en bas. Voilà, et au fond là, tu vois, on voit le lac Léman. Voilà l'espèce de trace bleue, ouais. Et là on voit la banlieue de Genève là, sur la gauche. Tu vois la colline là-bas, c'est le Salève, ouais. Et on voit Genève là-bas. D'accord. Et donc derrière à gauche, c'est le Jura. Et derrière, c'est le Jura, ouais. Là-bas, c'est le... On voit le Crêt de la Neige. Et novembre, il faut pas prendre l'arrivée verticale, les 12 000 pieds en descente pour Cluse.
Donc dans le Jura, on était en 2017. Ah, c'est beau aussi le Jura survolé. Hein. Ah oui, mais justement, j'avais fait un vol. Ah, t'avais fait un vol à Champagnole, ouais, j'avais vu. Ça, voilà, t'as vu? J'avais vu la vidéo. Ouais. Donc c'était avec le pilote dont j'avais fait la connaissance, ben, en 2016 aussi, au mois de mai. On avait été dans le Jura au mois de mai. Donc là, on avait fait un vol à baptême, c'était la première fois où donc, je remettais les pieds dans un avion. Papa Echo, on arrive sur Traverge. T'as passé ton EPL en 2018, c'est ça? Et on poursuivra vers le 2017 et 2018. Taxi, 2017, 2018. Janvier 2017 à août 2018. Voilà la station du Semnoz. Et là, on arrive sur le lac d'Annecy. La montagne, Fox Télé-Formidia, on est près des baptêmes autour du lac, ouais, entre Sévrier, Saint-Joriot et Doussard. On est à 3000 pieds et on repart en direction de Doussard là. C'est à Sicale, le château de Joël. Il est le col du passant, 10 000 vers le Dolan, rive droite d'Argentière. Juliette Hôtel Vertical Tone en direction du col des Aravis, on monte à 6000 pieds. Voilà donc les dents de l'enfant. Ça c'est la tournette en face. Oui. Le Fox point de percée vers le col des Aravis, 8000 francs en montée. Oui, visuel Juliette Hôtel. C'est compliqué, moi je ne le vois pas. Annecy, c'est plus grand que Chambéry, non? Beaucoup plus étendu, je veux dire. Non, je crois que c'est Chambéry qui est plus grand. Ah bon? Ah tiens, ouais. C'est bizarre, ça donne l'impression inverse, hein, comme ça. Bon, ils ont une méga piste là-bas, eux. Et devant Brigo, on va passer les aiguilles de 20. 8000 pieds en descente pour plus. Et c'est pareil, le terrain de Chambéry, il est plus grand que celui d'Annecy. Ah bon? Le terrain d'Annecy, ah ouais. Ouais. On va passer là juste... au nord de Saint-Rémy, Cap Sud, 6000 pieds sans pied. Eh ben, y en a du monde sur le lac. Ouais. Les avions aussi. Ah bon? Ouais, il y en a un qui passe en dessous de nous, c'est ce qu'on entendait à la radio tout à l'heure là, mais... Ah oui, qui s'annonçait là. Bon, je vais faire un 360 pour que tu puisses faire un peu le lac, puis on va retourner sur les Bauges. Nickel. Ah, le Fox Charlie Delta, on passe de Cornet d'Arrêt à 8500 pieds, au Cap Nord. Ah, il est plus haut que nous alors. Oh, dis donc. Tant qu'il y a... On sent que ça dérive, hein. Voilà, là on va remonter au vent. Juliette Hôtel à 6500 pieds, on passe le col des Aravis dans 2 minutes en direction de Megève. Oh, c'est beau. Là il te faut plus d'une paire d'yeux pour voir. Il serait pas que ça en est côté ou... côté est des Aravis et on passe le col aussi nord-sud vers le Charvin. Vous êtes à quelle altitude? Ah, j'arrive à 9000. Ah oui, je suis bien en dessous, je suis à 6005, merci. Qu'est-ce que vous avez comme bord à 9000? Ah, ça tabasse. Ok, c'est ce que je pensais. Montagne de Michel, ça bonjour, on est au nord du Môle 4005, direction Evian. Et Dragon, on passe travers le Môle, si on arrive sur les brasses, 7000 pieds, direction la Dindoche. Et non, mais faut pas, on arrive vertical, les carreaux d'arrache, 7000 pieds pour Cluse. Le château de Thuin en bas. Ah oui. Juliette Hôtel, on passe le col des Arabies, 6500 pieds en direction de Megève.
Alors ça, c'est la base des Arabies, c'est ça? Non, ça c'est la tournette, les Arabies c'est derrière. Voilà, faut qu'il y a deux sorties d'Argentée en rive gauche par le Lyon, vers le commerce, place 10 000 pieds. Alors... La tournette. Là, tu as le décollage des parapentes à la Forcla. Ah oui. Juste à gauche, là, l'espèce de carré vert à flanc de... D'accord. Ah oui, ok. Bon, c'est encore tôt, là. Ça pompe pas tellement. Puis il y a peut-être du vent. C'est peut-être pour ça qu'il y en a pas trop en l'air. Il y a un avion qui nous croise, mais plus bas que nous. Alors voilà, on est de nouveau en local d'Albertville, hein. Ouais. Le bout du lac, la bataille Faverges, le col de Tamier. Et la belle étoile, la dent de con, c'est Albertville juste derrière. Donc là, on va rentrer un petit peu dans les Bauges. Ouais, bon, souvent, quand ça pompe, là, les parapentes, ils remontent le long des épines. Là. Ouais. Donc le colombier d'Aillon qu'on a vu tout à l'heure, devant nous, c'est le Trello. Juliette Hôtel, on approche de Megève, je passe avec Megève, au revoir. À gauche, l'Arcalo. En arrière-plan de l'Arcalo, c'est le Péclo là-bas, et puis la Sambuy. On va essayer de passer entre le Trello et l'Arcalo. Ah, tu vois, là, on a du vent. Là, on a plein vent de face, là. Je serais curieux de savoir à combien on est en vitesse sol, mais à mon avis, on est à peine 80, à peine... A priori, on est à 105, là. 105. Ouais. 105, là, on est à 100... Ouais, 125, ouais, remarque, ça va, il y a 20 km/h, c'est pas tant. On passe le col du Golet vers la Madeleine, 8500 pieds en route vers l'ouest. Ça passe pas sujet vers Faverges, 7300 en descente. Dégagement en tout cas. On voit tous les massifs là, donc il y a Beldot quelque part au sud, par là-bas. Les Beldot droit devant nous, tu vois, le Trello derrière, c'est tout le massif des Beldot. À gauche là-bas, tu vois les écrins, tu vois le glacier des deux Alpes, l'énorme glacier là. Ouais. Et encore à gauche, tu as la Beige. Ouais. Encore à gauche, tu as les aiguilles d'Arve. Ouais, il me semble bien, là, c'est les deux triangles qu'on voit là. Voilà, c'est ça, les deux, trois triangles, ouais. Et puis derrière, tu as le. À la barre des écrins, il pèle vous. Ah bah là tu vois on va jusqu'au massif central, tout au fond là-bas là. Tu vois là-bas là, ouais. au fond là c'est le... D'accord. Alors... Okay, bravo papa, il y a Kilo, ça va faire papa, il sort sur le sol hier, il est 20h26. Le bon aiguille hein. Allez, retour sur les Bauges. Donc lui c'est pareil, c'est un joli massif, c'est un peu le même style que la Chartreuse.
Ouais, c'est un peu... Oulala. Ouais. Je voulais rentrer par là, mais on va se faire tabasser. On est à combien là? 7000, ouais. Ah bah de toute façon, oui, c'est pas étonnant, le vent il vient de là-bas, donc hop, on est en plein dessus là. Ouais. Fox Chadetta, on est au col du Joly à 7500 pieds, au Cap Sud. 200 pieds en direction Valois. Fox Tango, on vient de passer le col de la Madeleine, 8500 pieds, on va prendre un cap ouest vers Chambéry. Val d'Oran, Fox de Nova Fox, atterrissage. Donc le boulot est à droite là. Faverge 5003 en descente vers le bout du lac d'Annecy. Il y a toujours les baptêmes là dans le coin. La montagne, bonjour de Fox Uniform Media. On fait des baptêmes autour du lac d'Annecy. Un ULM et un compress. On est là actuellement sur Taloir à 3700 pieds. Ah, c'est compliqué, très Fox, et je passe au-dessus de Taloir à l'instant. 5000 en descente vers Saint-Jorion. Salut. On va aller sur petit par information l'hélicoptère Lima Juliette. On va procéder au largage de trois parachutistes verticales, le module avancé entre Chamonix et Argentière dans 2 minutes. Merci de libérer la zone. Bon, tu vois, c'est bizarre, hein, se localiser les rouleaux. Je pense que c'est quand tu passes dans le. Charlie, on est 6000, on arrive à la pointe percée pour redescendre des armées. Ouais, ouais. Je pense qu'on va se refaire brasser dans le sillage de l'arc à l'eau là. Donc là c'est le trello. Oui. L'arc à l'eau ici. La montagne de Fox, nous sommes travers ouest du lac de la Fer, 5000 pieds au Cap Sud. Là où il y a les lignes, là, les espèces de toboggans là, c'est le Péclo. Et là, à gauche, là, Sambuis. En fait, je voulais rentrer par là, mais je pense que vu l'aérologie, on va peut-être... On va voir, parce que là, je pense qu'on va s'y embrasser en... Non, je pense qu'en passant derrière le... Derrière l'arc à l'eau, on va s'y embrasser aussi. Et on va jusqu'à Grenoble, là-bas. Ouais, ouais, ouais. On voit même encore Chapchaude, là-dedans de Kroll, à gauche, là. Ouais. Le Granier à droite, le Joigny, on voit tout. D'ailleurs, il y a une photo à faire là. La vallée de Chamonix pour information d'hélicoptère. Lima Juliette, on va procéder au largage des trois parachutistes verticales, le module avancé entre Chamonix et Argentière. Merci de libérer la zone. Ouais, c'est bien reçu pour le Lima Juliette. Si vous serrez bien sur le massif, il n'y a aucun problème pour le largage. En 5 minutes. Merci, bon vol. Bon, attends. Hey. On va s'en aller. Hey. On par là, on va se faire trop brasser. Voilà, la Sambuis. Et Albertville. Ça dégueule là. Pas de vent, Fox Nova Fox en montagne. Là, ça c'est la station de Sentnex, station de ski. Marc, tu rentres vite dans une zone de turbulence et finalement t'en ressors rapidement aussi. Oui, oui. Enfin, dès que tu rentres, faut que t'en sors. C'est-à-dire que voilà, si on avait persisté là-bas, je crois, là-bas on doit se faire brasser, je pense. Ouais. Là aussi on va se faire brasser derrière là. Voilà. Ouais. Voilà, tu vois. Allez, les deux trafics en sortie de mer de glace, les deux trafics en sortie de mer de glace qui passent le montant vert, vous serrez sur le massif, on est en largage para. Superbe, superbe. Je vous remercie. Voilà, la pointe de Chorionde. Bon, il faudra qu'on y revienne une année. Charlie hein. Roméo, et eh bien vous me rappelez équivalent d'une vente arrière traversée. Je crois qu'il était 123.5. 123.5. Il y a pris la salution en base. Voilà, donc l'arc à l'eau.
Oui. La pointe de Chorion, là, il bah, y a du monde aussi incroyable, hein. Ah bah oui. Hein. Randa Romeo Delta, j'approche. Journée comme aujourd'hui, hein, les randonneurs, ils sortent, c'est obligé. Non, ils sortent jamais. La verticale à 2 mètres. Voilà, le col du haut du four. Et tu vois le terrain. On retourne à mon local. Voilà. Si je coupe les magnétos, là, on rejoint le terrain. C'est une branche vent arrière, piste 19, droite à ma droite. Voilà, les chalets d'Orgeval, puis l'arc à l'eau, et devant le Teclo. Extraordinaire. Là, c'est le vallon de Bellevaux. Saint-Chamond Fox, Tango Papa final, piste 10. Raphaël, fais des manades dans l'avion. Non, pas du tout, c'était juste un petit tour de piste. À bout de le Québec, bravo, on est vertical Savigny, on tourne en descente. Étape de base, main droite pour la 21. J'avais les parents juste avant. J'avais le ouais, les autres parents. Tu vois, c'est juste le col qu'on pouvait pas faire, hein, sinon. Et donc là-bas c'est le... Merde, Colombier là. Ah, bien, on ouais, en ouais, en ouais, arrière, piste 19 droite, main droite. Ah, ça manque pas, dis donc, hein. Voilà, on passe sous le vent du Péclo, donc on se fait... Hop, un petit visuel sur le terrain par là. Tabassé. Bon. Une vue magnifique sur toutes les parties extérieures des falaises là, et par moi. En avion comme ça, c'est beau, c'est simple, machin, mais alors dès que t'es en randonnée, ah bah... imagine un peu là. Ah bah ça, moi je suis déjà monté par là en randonnée, ça grimpe. Ah bah là bon, c'est... passer là, C'est beau mais c'est sévère hein. Non, j'ai pas fait depuis le bas, hein. Y a un parking là, ouais. Ouais, un peu en dessous là. D'accord. Ah, ça dégueule là, regarde. Ouais, pied minute, tu vois comment on s'enfonce. Ouais. Ah. Effectivement. On sent qu'il a envie de descendre là, 1500. Regarde ça, putain, j'ai jamais vu ça. Moins 2000. 2000. Wow. Donc ça, c'est cours pratique d'aérologie. Bon, c'est vrai que j'ai réduit tout, mais... Oui, non, tu on est pas, à 150 km/h, ouais, non, là, ça va, ça dégueule moins, mais... Voilà, attends, j'ai poigné parce que là... Ouais. On va se faire tabasser encore. Enfin... Tu vois, celui-là, il supporte encore bien la turbulence, hein. Comme oui. Il est en aluminium, il est assez souple. Ouais. Là, c'est pas comme les engins en carbone, là, ça, tu te... D'accord, ah, tu te fais encore plus... Ouais, parce que ça tape, tu vois, ça... Il y a plus de rigidité, en fait, ouais, et ouais. Tu... D'accord. Ça devient très inconfortable. Celui-là, c'est un bon avion de voyage, parce que même quand tu rencontres de la turbulence, il est pas... Tu vois, bon, tu te fais un peu tabasser, mais c'est pas... Oui. Bah oui, tout à fait, c'est... Après, on... Quand t'aimes un petit peu aussi, ça aide. Comment ? Quand tu aimes te faire secouer, ça aide aussi. Oui, mais oui, c'est vrai oui. Que bon. Non, mais pour ça, il est assez rassurant, tu vois. Ouais. Que t'as des appareils plus performants, mais qui sont très délicats dans la turbulence. D'accord. Tiens, allez hop, une vertige, un visuel sur la piste. Ah. Bonjour à Martial. Pourquoi il est au terrain Martial aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui. Ah mais il habite dans le coin? Ouais. On est passé au-dessus tout à l'heure.
Bien sur la bonne fréquence, là, 123.5, j'entends personne. Ouais, bah, il y a personne sur le terrain, a priori. Albertville, Roméo Delta, rebonjour. P92, retour de vol local. On passe vertical, enfin travers terrain, côté sud, 4000 pieds en descente pour les installations. On rappelle pour le circuit, pour couper l'axe 23 dans 30 secondes. Ah, il vient de s'arrêter, elle. Il vient de s'arrêter, la 4A ? Ouais, tout à l'heure elle fonctionnait, là. Ah, si, ça y est. Ah, non, mais je viens de la relancer. La relancer ? Ah, mais c'est le bruit qui l'a fait. Non, non, c'est la chaleur. La chaleur ? Ah, ouais, elle est méga exposée, là. C'est déjà bien qu'elle ait tenu tout ce temps, là. Allez, je la protège un peu, là. Par la droite, c'est plutôt c'est pour les ULM. Non, 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 là, je vais couper l'axe, parce que là, on est haut, hein. C'est ça. Oh, les ULM, on fait un peu ce qu'on veut. Ce qu'il y a, c'est que tant que tes moteurs réduits, tu peux passer où tu veux. Ouais. Sinon, il y a des bleds qu'il faut éviter. Bah, tous les bleds de la vallée, ouais. Là. Ah, tu vois, moi, j'habite là. Bled là. D'accord. Ah, bah, effectivement, t'es vraiment pas loin, alors. Puis, ouais. J'ai pas fait exprès, hein, parce que... Quand j'ai acheté ma maison, j'étais encore basé en Afrique, donc j'étais pas encore pilote ici. Ouais. Et le hasard fait bien les choses. Ah, tu m'étonnes. Allez, une jolie verticale là. Il n'y a personne. Albertville, Roméo Delta, on coupe l'axe 23 pour la bande arrière. Ouais, personne. Ça viendrait de la droite, là, mais la manche est verticale. Ouais, comme c'est la 23 la préférentielle, donc en général, plutôt là qu'il faut guetter s'il n'y a personne en vente arrière quand on descend. Albertville, Roméo Delta, on est en vente arrière pour un complet sur la 23. Hop. Ok, vente arrière. Que ma tête elle fonctionne plus. Albertville, Roméo Delta, on est en base 23 pour un complet. Ah, c'est moi qui paraît, hein. Roméo Delta, on est en finale 23, Albertville. Relax.
Joli. Impressionnant comme approche. On en fait ce comme on veut, puis tu vois, tu peux faire une approche. Tu vois, en ULM, tu fais une approche comme tu veux, tu vois, t'es pas obligé d'aller loin, tu réduis tout, tu descends comme ça. On en avait même encore trop là. C'est excellent là. C'est fantastique un truc comme ça. C'est marrant, hein, c'est ludique, tu vois, c'est plus ludique que. Roméo Delta, on a dégagé la 23 et on quitte au parking sud à Albertville. Au revoir. Extraordinaire ce truc là. Extraordinaire ce truc là. Bon, et ben voilà. Neutre. Et voilà. Bon, je vais arrêter le cam.